bien soin de Pustule, surtout, Albert. Fais-lui prendre le soleil 5 minutes et ensuite ramène-le dans son terrarium. Profite bien, mon grand, ça va te réchauffer. Albert, regarde, ton lacet est défait. Oh. Ah non. Oh, Pustule. 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 Oh non. Organiser un prix du Collège Vert. Un concours qui récompense le jardin le plus écologique et le plus beau, c'est cool. Mais pourquoi tu m'as choisi pour m'occuper du compost avec toi? Parce que tu es ma coéquipière, Sally, et que ce concours est l'occasion rêvée pour tester mon super compost. Cette petite merveille 100% bio augmente la fertilité du sol. Ah. Regarde. Alors, prête pour la grande aventure? Bah, pas trop, non. Mener l'enquête, ça, je sais faire. Mais quand il s'agit de jardiner, je suis un peu dans les choux. T'inquiète pas pour ça. Le pro du terreau, le magicien des poireaux, c'est-à-dire moi-même, s'occupe de tout. Tu peux m'accompagner jusqu'au potager? Au secours, le FBI! Pustule, le crapaud a disparu, il était dans la cour. C'est comme s'il s'était volatilisé. Donne mon chemin, toi. Un crapaud dégoûtant a mangé mon sandwich. Il a sauté sur ma tête. La photo est déjà sur le site internet de l'école. Mais c'est Pustule, mon crapaud. Ton crapaud? C'est toi qui m'as fait cette farce. Non mais tu me le paieras, je vais te... Du calme, Kevina. Déjà, ce genre de blague ne ressemble pas du tout à Albert. Et en plus de ça... C'est pas le moment d'enquêter. Tu dois m'aider pour le compost. Allez, s'il te plaît. Cher client, le FBI se ferait une joie de répondre à vos demandes et d'ouvrir une enquête. Mais l'agence est fermée pour la journée, pour cause de compost. Et ma réputation, vous vous en fichez? Madame Margipour va être furieuse. Désolé de vous interrompre, mais j'ai du compost à livrer et un jardin à bêcher. Attends un peu, je t'aiderai à t'occuper de ton potager si t'enquêtes sur Pustule. Autrement dit, si tu m'aides, en échange, moi aussi je t'aide. Et moi alors dans tout ça? Je peux t'aider moi aussi si le FBI mène l'enquête pour moi. Un coup de main contre une enquête. On accepte. Salut Julien, je suis à la recherche de Pustule, le crapaud du labo. Tu l'aurais pas vu? J'ai bien croisé Albert ce matin avec Pustule, mais je me suis pas attardée, j'allais au potager. Le principal m'a même nommé responsable technique du potager du collège. Oh, félicitations Julien. Et vous, monsieur le concierge, vous avez vu quelque chose? Non, rien, désolé Sally. En route, on a du pain sur la planche. À plus tard Sally, je dois aider le concierge avec le système d'arrosage du jardin. De la bave de crapaud. Identification Buffo Viridis. Plus connu sous le nom de crapaud vert, mais il n'y a rien autour. On dirait que Pustule a été enlevé. Pouf! Disparu dans les airs. Je suis désolé, Albert, mais cette disparition est trop mystérieuse pour moi. Allez, affaire suivante. C'est son super compost qu'il travaille. Ne t'en fais pas, Albert. Le FBI n'abandonne jamais. Pourquoi t'es encore là, toi? Tu vois pas que maintenant, on s'occupe de mon affaire? Attends un peu, Kevina. Je te rappelle que c'est mon Pustule qui a disparu, ce qui fait que ça me concerne autant que toi. Encore heureux que tu sois concernée, puisque c'est ta faute. À cause de toi, je me retrouve ridiculisée. Abby, d'accord? Calmez-vous tout de suite. Ou alors, Dewey et moi, on abandonne l'enquête. L'affaire de Kevina est aussi bizarre que celle d'Albert. À part quelques miettes de sandwich, pas d'indice concernant le crapaud. D'accord, le mieux c'est d'interroger les témoins. Il y en aura au moins un qui aura vu quelque chose. Très bien, Dewey, nous on va bêcher et toi tu vas enquêter. Ce que j'ai vu, Kevina avec un crapaud sur la tête, et crois-moi c'était trop marrant. Ouais, j'ai pris une photo de Kevina au bon moment. Ça va faire la une du journal du collège. Kevina a trouvé son prince charmant. T'as raison, la disparition de Pustule est très bizarre. Pas de témoins, pas de suspects, rien du tout. Je sèche complètement. Le responsable du compost est convoqué dans mon bureau immédiatement. Youpi! Mon heure de gloire est arrivée.
Oui, j'aimerais savoir où tu en es avec ton super compost. Le potager de l'école doit être prêt avant l'arrivée du jury. Je ne veux surtout pas revivre l'humiliation de l'année dernière. Soyez tranquille, monsieur, on sera prêt à temps. Et avec mon super compost, je peux vous assurer que ça va dépoter au potager. Le FBI, Carotte, mon lapin a disparu. Sally, Dewey, enquête ou pas, je veux que notre école gagne ce trophée. Je compte sur vous, ne me décevez pas. Sally, Dewey, vous ne pouvez pas me laisser tomber comme ça. Pas de panique, Devindra. Carotte a dû avoir peur et s'échapper. Je suis sûre qu'il va revenir. Carotte n'est sûrement pas très loin, tu sais. T'as bien cherché partout? Ça suffit, Dewey. Oh. D'abord Pustule et maintenant Carotte, ça devient louche. On devrait faire une petite pause compost. T'as entendu, Monsieur Plantier? Notre priorité, c'est le potager. Reste concentré, Dewey. Tant qu'on n'a pas de piste, on ne lâche rien. Oh. Ha! On a peut-être un témoin oculaire, finalement. On dirait qu'on n'aime pas beaucoup les animaux dans cet immeuble. Ah. Excusez-moi, monsieur. On aimerait vous poser quelques petites questions. Ça ne me dérange pas. Vous pouvez m'appeler Helmut. Monsieur Helmut, nous enquêtons sur des disparitions d'animaux dans notre collège. Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel depuis votre fenêtre? Eh bien non, je n'ai rien vu du tout. Désolé, j'aimerais pouvoir vous aider. Bon, allez, on retourne au collège. Oh, ça m'agace, Dewey. On est toujours dans l'impasse. Attends, le concierge, il était présent sur les lieux du crime à chaque fois. C'est vrai. Et c'est lui qui s'occupe des animaux quand l'école est fermée. Peut-être qu'il en a eu assez de le faire. Et du coup, il s'en est débarrassé. Allons l'interroger. Oh, je suis contente, Albert. Kevina et toi, vous vous êtes enfin réconciliés. Pas du tout, Sally. On fait juste une trêve le temps que le FBI ait résolu nos affaires. Monsieur le concierge, on voudrait vous parler des animaux disparus. Ils me manquent tellement, Sally. Oh, il faut que vous les retrouviez pour moi. Oh, nom d'un zébu, Dewey. On n'a toujours pas l'ombre d'un suspect. Je suis sûre que des indices nous ont échappé. Impossible. J'ai passé les scènes de crime au peigne fin. Ça vient de la cuisine. Mamma mia, cocotte, ma poule de compagnie, elle a disparu, envolée sans ses œufs frais. Ma cuisine ne sera plus jamais la même, quelle horreur. Où vous avez vu votre poule pour la dernière fois? Ben, à sa place habituelle, cocotte était dans la cuisine avec moi ce matin. J'ai dû m'absenter quand je suis revenu, cocotte s'était volatilisée, envolée, disparu, pouf d'un coup. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait le badge de Julien. Ça ne peut pas être notre coupable, il est resté toute la journée avec le concierge. Oui, sauf que c'est le... C'est le responsable technique. Il a accès à toutes les parties du collège quand il veut. SBI, t'aurais pas perdu quelque chose, Julien? Dis-nous où tu les as cachés. Les voilà, ils sont ici. Je viens justement vous les ramener. Allez, venez, mes petits, venez. J'en crois pas mes yeux. Monsieur Helmut, qu'est-ce que vous faites là? Il est venu pour réparer mes bêtises. Je sais pourtant que ça partait d'une bonne intention, mon petit Julien. Vous pourriez arrêter de parler par énigme? Monsieur Helmut est mon grand-père. Il a passé toute sa vie à la ferme entourée d'animaux. Mais j'ai déménagé récemment dans une maison de retraite. Le règlement est très strict avec les animaux. Ils sont malheureusement interdits et leur compagnie me manque tellement. Alors j'ai décidé d'emprunter des animaux au collège pour lui tenir compagnie juste pour la journée. J'ai quand même failli perdre Pustule, mais grâce à la phobie de Kevina, j'ai réussi à le récupérer. Bref, j'ai profité des occasions au fur et à mesure qu'elles se présentaient. Mais pourquoi avoir volé tous ces animaux? T'aurais pu demander la permission tout simplement. Parce que j'avais peur que le principal refuse, c'est tout. Vous savez, j'ignorais tout des emprunts de Julien jusqu'à ce que vous veniez m'interroger tout à l'heure au sujet de ses disparitions. Et c'est là que j'ai décidé de les ramener avant que Julien n'ait de gros ennuis. Voilà tout. Non. Je suis vraiment désolée, papy. Je voulais juste te faire plaisir, tu sais. Et je m'ai
m'excuse pour les problèmes que j'ai causés. Vous allez me dénoncer? On ne le fera pas si tu t'excuses auprès des personnes concernées. Après tout, t'as juste écouté ton cœur. T'es d'accord, Dewey? Dewey? Oui, mais le principal va avoir une crise cardiaque quand il verra l'état du jardin. On peut dire adieu au prix du collège vert. J'ai une petite idée. Quand on a passé sa vie à la campagne, on sait s'occuper d'un jardin. Je vais juste avoir besoin d'un petit coup de main. Et c'est au collège de Little Bombay que le jury a remis le prix du collège vert grâce à notre jardin écologique. Je tiens à tous vous féliciter. Bravo. Le grand-père de Julien nous a beaucoup aidés. Est-ce qu'il pourra revenir pour rendre visite aux animaux? Cher monsieur, sachez que les portes de cet établissement vous seront toujours grandes ouvertes. Venez quand vous voulez. Tu vois, Julien, il vaut mieux demander plutôt que de se servir sans rien dire, même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Un jour qui n'a rien de spécial, non? Rien du tout? Même pas un petit truc qui n'arrive qu'une fois par an pour rompre la monotonie? Enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est un peu plus vieux qu'hier. Certains plus que les autres. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Oui, bien sûr, Sally. C'est clair que t'as vraiment l'air plus vieille qu'hier. Oh. Un mot de Madame Apu. Elle dit qu'elle est partie faire les courses. C'est bizarre. Madame Apu ne laisse jamais la porte d'entrée ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé ici? T'as une idée? Oh, pas besoin d'être les détectives les plus célèbres de Little Bombay pour comprendre qu'un voleur est passé par là. Tu crois? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un mauvais cuisinier qu'à un criminel. Vérifions qu'il ne manque rien. Ça sent le gâteau brûlé. Sally, dis, y a pas un objet à cet endroit d'habitude? T'as raison. C'est là que Madame Apu range sa théière en argent préférée. Et regarde, y a des empreintes de pas. La semelle est trop large pour être celle de Madame Apu. T'as raison. Il faut qu'on suive ces empreintes. Mais attends, c'est une scène de crime. On doit l'examiner minutieusement, Dewey. Sally, on n'a pas le temps de le faire, hein. Si ça se trouve, le voleur n'est pas loin. Rattrapons-le. Allez, suis-moi. J'ai bien cru qu'elle ne s'en irait jamais. Harry, est-ce qu'elle a mordu à l'hameçon? Oui, plus ou moins, mais elle ne va pas tarder à comprendre que cette affaire est une mise en scène. D'accord, j'ai acheté tous les ingrédients, mais j'ai besoin d'au moins une heure pour faire un nouveau gâteau d'anniversaire. Oh, tu aurais mieux fait de me laisser faire. Maintenant, dépêche-toi de décorer la maison pour sa fête. Allô, maman? Je dois parler à ma mère, c'est très important. Bien sûr, Dewey. Ah oui, maman, oui. Merci d'avoir éloigné Sally de l'appartement, Dewey. J'ai dispersé quelques faux indices à travers la ville. Le souci, c'est que Madame Apu a besoin d'une heure pour rentrer et préparer un nouveau gâteau. Ok, monsieur Bollywood, mais Sally commence à avoir des soupçons. Dans ce cas, tu vas devoir improviser. Dewey? C'était ma mère. Je sais, tu me l'as déjà dit. Regarde, là, la piste s'arrête d'un coup. Oh là là, c'est incroyable! Mais qu'est-ce qui te prend? Je te trouve très bizarre depuis ce matin. Oh, regarde là! Hein? D'autres empreintes de pas! Comment t'as fait pour voir ces empreintes d'aussi loin? T'es pas la seule détective du SBI, tu sais. C'est étrange, regarde, elles sont plus fraîches que les autres. Comme si le voleur s'était arrêté pour remettre de la farine sous ses pieds. Ah ouais? Eh ben moi je dis qu'à moins d'avoir une autre piste, on devrait suivre les empreintes. Oh, cette affaire est vraiment de plus en plus bizarre. Oh.
Je me demande si le directeur est au courant que la porte de son musée est ouverte. N'importe qui pourrait y entrer sans problème. Eh oh, Monsieur Gupta, vous êtes là? Monsieur Gupta, vous m'entendez? Je crois que j'ai vu quelque chose. Oh, il est monté dans un arbre. Fais-moi la courte échelle. Alors notre suspect vole une théière, laisse une traînée d'empreintes avant de grimper dans un arbre. Non mais c'est du délire. Je tiens que... Mais bien sûr. Oups, je suis désolée. À moins que cette affaire soit montée de toutes pièces pour détourner mon attention pendant qu'on me prépare une fête surprise. Mais c'est ridicule, Sally. Je vois pas pourquoi on ferait ça. Oui, c'est vrai. T'as raison. Je sais pas ce qui m'a pris. Alors, Dewey, où on va maintenant? Il faut qu'on découvre le propriétaire de ce truc et on récupère la théière de Madame Apu. Je te dis que j'ai entendu une voix. Tu as trop d'imagination, Sunil. Cet endroit me fait sacrément la trouille. On récupère ce qu'on est venu chercher et on file. Regarde, c'est cette pierre précieuse qui nous intéresse. Oh non, des voleurs. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé de te gâcher ton anniversaire, Sally. Wow, regarde un peu cette antiquité. Ça doit faire partie d'une scène. Non, c'est pas celle-là. Non plus. Voilà, c'est sûrement à ce type au chapeau. Tu sais quoi, hein? Je suis sûr que ce musée est hanté. Il nous faut un chariot pour embarquer ce truc. On va aller le prendre dans le camion. Et je continue de penser que ce musée est hanté. Je sens une présence. Oh, ça alors, Dewey, tu ne crois pas que ça pourrait être un autre indice? Tu ne vas pas me dire que j'ai trop d'imagination cette fois. C'est le panier de Madame Apu, Dewey. Et on dirait qu'il contient les ingrédients pour... Oh, faire un gâteau d'anniversaire et des bougies. Mais on sait pas à qui est ce panier. Mais en admettant que tu prépares un anniversaire surprise, je ne dis pas que c'est le cas, évidemment. Mais si c'était le cas, eh bien le musée, ça serait un endroit hyper cool pour le faire, tu ne crois pas? D'un point de vue purement théorique, oui. On ferait bien d'entrer pour voir si on ne trouve pas d'indices à l'intérieur, hein, Dewey? Tu me dis quand je dois faire semblant d'être une surprise, hein, Dewey? Oh, combien de fois je vais devoir te le répéter, Sally? On est là pour trouver un voleur de théière, pas pour je ne sais quel anniversaire. C'est le portable de Madame Apu? Elle ne le laisserait jamais traîner par terre, même pour une mise en scène. Ah, quand même, t'admets que ce n'est pas une mise en scène. Regarde, les premiers chiffres de mon numéro de portable. Madame Apu a essayé de m'appeler. Je pensais pas que ce truc était aussi lourd. Tu es sûr qu'il est vide? Si tu avais pensé à prendre les bons outils, comme je te l'avais dit, on aurait pu finir le boulot ici. Alors arrête de te plaindre et aide-moi. Mais je reconnais le sari qui dépasse. C'est Madame Apu qui est là-dedans. Il faut qu'on ramène ce machin à l'atelier. Il va pas résister longtemps à ma scie électrique. Cette affaire est vraiment sérieuse. J'appelle papa. Bien joué, Monsieur Bollywood. Cette mise en scène est tellement réaliste. Oui, Sally. Le musée? Des voleurs? Madame Apu?
arrive. Eh ben, en attendant, on va montrer à ces deux-là comment le FBI s'occupe des voleurs dans leur genre. Non, Dewey, n'y va pas. C'est pour de vrai. Reposez ce sarcophage immédiatement. Ok, voilà le plan. Vous faites semblant de résister et ensuite je vous attrape, d'accord? Allez, maintenant je dois gagner. Vous êtes faits comme des rats. C'est une performance super convaincante, les gars, mais un peu trop réaliste. La momie est vivante. On ne bouge plus. Je vous félicite d'avoir réussi à garder votre sang-froid dans une situation aussi dangereuse. Oh, j'en reviens pas, monsieur Bollywood. Vous avez même réussi à convaincre la police de participer. Franchement, tout était tellement réaliste que pendant un instant, j'y ai cru. En fait, ce n'était pas un jeu, Dewey. Alors, ces voleurs sont des vrais? Surprise! Oh. Surprise! Oh, je m'en doutais pas du tout. Avec tout ce qui s'est passé au musée, j'ai même pas eu le temps de faire mon fameux gâteau d'anniversaire. Oh, ça y est, il est là. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! En tout cas, tu as fait de sacrés progrès depuis ta tentative criminelle de faire de la pâtisserie ce matin. De nos jours, on trouve des gâteaux tout prêts qui sont délicieux, vous savez. C'est le plus chouette de tous mes anniversaires. Première phase terminée, aucun problème. Sally, dépêche-toi, tu vas être en retard à ta compétition multisport. Pas de panique, papa, la compétition ne commence pas avant cet après-midi. Je vais juste aller m'échauffer. Oh, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mes baskets. Sally, tu es sûre d'être prête pour les épreuves? Tu es concentrée, au top physiquement? Papa, pour l'escalade, le saut et la course, je me suis beaucoup entraînée. Et pour l'épreuve d'arts martiaux, je suis la meilleure du collège, t'inquiète pas. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai perdu la compétition multisport. Et depuis, je l'ai toujours regretté. Ah bon? Et pourquoi tu as perdu? Parce que j'aimais tellement la poésie que je me suis laissé déconcentrer par les vers, c'est tout. J'ai passé toutes les épreuves à lire. Sally, on est en alerte rouge au SBI. On a une cliente paniquée qui demande une intervention d'urgence. On peut pas la laisser tomber. Ok, j'ai le temps de la voir. Après, je vais m'échauffer, je gagne la coupe et je rentre boucler l'enquête. Sally, tu es sûre? Tu dois rester concentrée. Papa, je te promets que je suis concentrée et je vais donner mon maximum. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai découvert ces trucs collés à la fenêtre de ma chambre. Ouh, c'est vrai que ça fait peur ce truc. Ils en pensent quoi, tes parents? Oh, ben rien. Ils croient que mes copains l'ont mis là pour me faire une blague. Mais tes copains ne te feraient pas une blague aussi effrayante que ça. Tu crois que le coupable aurait pu coller le mannequin en se penchant par la fenêtre? Non. Bon, ben on va avoir besoin d'un équipement spécial pour analyser la scène de crime. Il n'y a pas d'empreinte. Il devait porter des gants. En revanche, il y a plein de traces de pieds. C'est bizarre. Notre coupable grimpe en levant ses bras et ses jambes du même côté en même temps. Comme un lézard. Ces signes te disent quelque chose? À part qu'ils me font peur, non, rien.
Il faut retourner au SBI pour faire des analyses parce que là, je vois rien. Aucun indice. Ni tache suspecte, ni fibre textile, ni empreinte. Le coupable n'a laissé aucune trace. C'est du travail de pro. Et dire que je vais bientôt devoir partir m'échauffer et laisser l'affaire en plan. L'FBI, quelqu'un m'a volé mon devoir de biologie. En vous dépêchant, vous pourrez le rattraper. Calme-toi, Darcy, et raconte-nous ce qui s'est passé. J'étais en train d'apprendre par cœur mon exposé sur les araignées d'eau, et là, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée... On m'avait volé mon exposé de biologie. Hé hey, ils se gênent pas, ces oiseaux? Tiens. Non, non. Hé, hey, les oiseaux, ça suffit maintenant. Darcy, ton cahier, il serait pas rose et jaune par hasard? Mon exposé! Mais comment le voleur l'a mis là-haut? Regardez, ce trou dans la terre. La voilà l'explication. Le voleur a sauté à la perche pour poser le cahier dans l'arbre. Je vais essayer de le récupérer. Je me suis tellement entraînée à la perche que je devrais y arriver. Oh, ce sont les mêmes signes que ceux du mannequin. Les deux affaires sont liées. Mais pourquoi mettre un cahier dans un arbre et accrocher un mannequin sur un mur? C'est vraiment n'importe quoi. Le voleur, il ne va pas s'en tirer comme ça. Tu vas voir, cette fois je te tiens. Sally, je vais rentrer au SBI pour analyser les symboles, ok? Sur le toit. Oh, et la compétition démarre dans 10 minutes, c'est pas vrai. Oh non, c'est la catastrophe. Comment? Tu es coincé où? Sur le toit? Bon, je vais venir te chercher, Sally, mais ça va me prendre une quinzaine de minutes. Mais alors, je vais rater la compétition? Oh, j'aurais dû t'écouter, papa, je suis désolée. Bon, de toute façon, on peut plus rien y faire maintenant. Peut-être que si. Écoute, plutôt que de venir ici, essaye de retarder le début de la compétition le plus possible. Voyons ces symboles de plus près. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Hé, hey, tout doux, on se calme, allez. Je voudrais inscrire Sally à la compétition multisport sous son nom complet. C'est porte-bonheur chez les Bollywood. Bon, très bien, je vous écoute, monsieur. D'accord. Alors, le nom complet de ma fille, c'est Sally Arti Afren Abani Ata Abaya Abilisha Ashala. Attendez, Abashnashanash Ashta, comment? Ashala. Ce sont les prénoms de tous nos ancêtres, les Bollywood. C'est une jolie tradition, n'est-ce pas? T'as du nouveau? J'ai tout essayé pour déchiffrer les symboles. Les runes, l'alphabet cunéiforme, les fresques incas. J'ai aussi tenté les hiéroglyphes, mais ça donne rien. Et toi, t'en es où? Le coupable m'a enfermé sur le toit. Je me suis débrouillée pour descendre, mais maintenant je vais rater la compétition multisport, sauf si papa la retarde. Hé, hey, Jania, ça s'écrit avec deux E et un Y, bien sûr. C'était ma grand-tante préférée, vous savez. Oh, je peux vous dire, c'était une femme très originale qui adorait les chats. Écoutez, monsieur Bollywood, inutile d'être superstitieux. Sally s'est assez entraînée, elle a toutes les chances de son côté. À condition qu'elle arrive à temps. Oh, s'il vous plaît, c'est très important qu'elle participe à cette compétition. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je l'ai bêtement ratée. La veille des épreuves sportives. Comme j'étais convaincu que j'allais gagner, j'ai passé mon temps à m'amuser. Et le jour J, je ne me suis pas réveillé à l'heure. Résultat, je n'ai pas pu participer à la compétition. Je suis navré, monsieur Sally n'est pas présente à 14h précises, elle sera disqualifiée. Ces symboles bizarres ne veulent rien dire. De toute façon, rien ne colle dans cette enquête. On n'a pas de mobile, pas le moindre indice. Les parents de Vanny qui se moquent qu'un mannequin a été collé au mur de leur maison. Un cahier volé couvert de symboles qui n'ont pas de sens. Et Sally qui se retrouve piégée sur un toit avant les épreuves. Mais oui, c'est ça! Désolée, mais je n'ai pas le temps de faire un point sur l'enquête maintenant. Ah,
On n'est pas là au sujet de l'enquête. On fait la compétition multisport, nous aussi. Ah bon? Vous auriez pu me le dire avant. Oh, c'est toi, le garçon en noir. Je comprends mieux. Cette enquête, c'était un piège pour m'empêcher de participer à la compétition. Mais dans quel but? Eh ben, d'habiter dans sa range entre nous pour la gagner à tour de rôle. Mais t'as choisi de t'inscrire pile l'année où le comité a ajouté une épreuve d'arts martiaux. Et comme t'es la meilleure, ben on va forcément perdre. Et vous avez essayé de m'éliminer de la compétition. Ah, et ça a marché. C'est bientôt l'heure de la fermeture des inscriptions. Sally, dépêche-toi. Je suis désolé, monsieur, mais les inscriptions sont désormais... Oh, y'a ta derrière. Pile à l'heure. Dépêche-toi d'aller te changer, Sally. Oh, je me suis pas échauffée. Et tout ça pour une enquête qui n'existait pas. Je me suis conduite en débutante et maintenant c'est la catastrophe. Sally, tu t'es échauffée. T'as escaladé des murs, sauté à la perche et couru comme une dingue. T'es au top du top physiquement. Ah oui, tu crois? Oui, et grâce à cette enquête, tu connais toutes les combines de Vanille, d'Archie et Renan. On a vu qu'il y en a un qui grimpe au mur comme un lézard, un qui saute à la perche. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils sont prêts à tout. Alors sois prudente. Oh là là, heureusement que tu es là. Allez, allez ma petite mangouste, tu vas gagner. Oh, oh, allez. Tu n'es pas la seule à savoir grimper, Darcy. Maintenant, notre toute nouvelle épreuve, les arts martiaux. Allez, allez, Sally, montre-leur ce que je t'ai appris, ma mangouste. Vous savez, je suis maître kung-fu, Harry. J'ai entraîné Sally. C'est parti. Qui passe le premier? Sally Bollywood, grande gagnante de notre compétition multisport de l'année. Bravo, Sally! Au lieu de chercher à faire disqualifier Sally, vous auriez dû vous entraîner plus sérieusement. Et pour la peine, j'ai pensé à une petite punition. Il y a la sueur sur les tapis de gym, les traces de pieds sur les agrès, la mauvaise odeur de transpiration. Le gymnase a bien besoin d'un grand coup de propre. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh. Un énorme livre de poésie. Comme tu adores ça, je te le donne pour te remercier. Eh bien, en fait, je n'ai pas lu de poésie depuis un bon bout de temps. Je savais que tu détestais la poésie. Monsieur Jérôme m'a dit pourquoi tu n'avais pas gagné la compétition. Vous dansiez le rock'n'roll comme un petit fou au lieu de vous entraîner, monsieur Bollywood. Moi, je trouve que le plus important, c'est de donner son maximum, quoi qu'on choisisse de faire, le petit lapin. Aujourd'hui, le plat préféré du collège, les croquettes de pommes de terre de Carlotta. Miam, je vais faire le plein d'énergie pour courir après le petit David à la fin des cours. C'est le petit garçon que Madame Apu t'a demandé de garder? Ouais, je sens que ça va être compliqué. Une chance qu'on n'ait pas d'affaires en ce moment. Parce que t'aurais jamais pu mener l'enquête en gardant le petit. Le SBI! Il faut mener l'enquête de toute urgence. Quel genre de vol, votre sac à main? Bien pire. Quelqu'un m'a volé toutes mes pommes de terre. Oh, impossible de faire mes galettes de pommes de terre. Sally, Zoé, c'est un cauchemar. Vous devez absolument résoudre cette affaire. Pas un
seul indice utilisable dans toute la cantine de l'école. T'en fais pas, je vais refaire les réglages de mon renifleur. Ah ! Il devrait nous permettre de retrouver les patates disparues en moins de deux. Je déteste les spaghettis. Sally et Dewey, je vous confie le petit David. Bonjour mon petit David. On va s'amuser à résoudre une énigme tous ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est très compliqué, David. La machine capte la signature chimique de n'importe quelle substance sur laquelle on la règle. Dans le cas présent, des pommes de terre. Je parais que t'as pas pris en compte les variations de l'acide désoxyribonucléique. Et donc, ton jouet n'a aucune chance de marcher. Jouet? Bon, je vais vous laisser les enfants. Pas des bêtises. Mais non, il marche très bien. Le renifleur va détecter l'odeur des pommes de terre et nous conduire directement jusqu'au voleur. Vous allez voir. Naha! Tom, SBI, on enquête sur les pommes de terre disparues de Carlotta. As-tu des pistes? Bah non, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un renifleur. Dis, t'as quoi dans ce cornet? Des frites, ma mère les fait trop bien. D'accord. Alors, tu penses toujours que le renifleur ne fonctionne pas? Un coup de chance. Bon, c'est vrai, je reconnais que ça aurait pu mieux se passer. On dirait que ton machin aime bien renifler les ordures. Quelle invention! Mais attends, ce serait pas des pommes de terre qu'on cherche? Je me trompe? Ça n'est pas un machin! C'est un renifleur! Ne t'en fais pas, Dewey. On peut mener l'enquête sans indice. C'est peut-être le mobile qui va nous conduire au suspect. Je suis d'accord. Mais pourquoi voler toutes ces pommes de terre? Monsieur Jérôme, c'est l'entraîneur du club d'athlétisme. Non. Son truc, c'est la santé. Il aurait des raisons d'empêcher Carlotta de faire ses galettes de pommes de terre. Ça fait grossir. Non, mais vraiment? Tu vas nous ressortir ton reniflou? Son capteur secondaire, t'as aucune chance. J'ai ajusté les réglages. Je suis sûr qu'il détectera la moindre trace de pommes de terre à proximité de Monsieur Jérôme. Regarde, il est déjà sur une piste. Dis-moi, David, t'as une pomme de terre dans la poche ou quoi? Mais non, j'ai pas de pomme de terre dans ma poche. Ton renifleur vient de trouver mon chewing-gum, c'est tout. J'ai pas besoin de mon renifleur pour découvrir si Monsieur Jérôme est le voleur de... Je pars en mission d'infiltration. Monsieur Jérôme, je veux passer les tests pour rejoindre l'équipe. Alors ça, c'est une bonne surprise, Dewey. Tu vas commencer par le frisbee. Dewey, derrière toi. Très bien, on va essayer de lancer deux fois maintenant. Ok, essayons le 400 mètres. À vos marques, prêts, partez. Allez, Dewey. Pas mal, Dewey. Où attend ta chance l'an prochain? Tu manques d'énergie, mange des féculents. Des féculents? Comme des pommes de terre? Bien sûr, une alimentation équilibrée inclut des pommes de terre. Ça va aller. T'as entendu ce que Monsieur Jérôme vient de dire? Ben oui, il n'a rien contre les pommes de terre. Donc ce n'est pas lui qui les a volées. Pas de mobile, pas d'indice, pas de suspect et ton Monsieur Je-sais-tout sur le dos pendant l'enquête. Franchement, ça peut pas être pire. Où est passé notre Monsieur Je-sais-tout d'ailleurs? Je veux dire, le petit David. Il a disparu! Super! Maintenant, on a une affaire de disparition en prime.
du nouveau? Rien, aucune trace. Où a-t-il bien pu aller, ce gamin? Sally! Oh. Sally! Il faut que tu m'aides! Qu'est-ce qui t'arrive, Jessica? Quelqu'un vient de voler une partie de ma collection de pièces. Juste les pièces en cuivre, pour être précise. Désolée, Jessica. On a une personne disparue à retrouver de toute urgence. On récupérera tes pièces volées plus tard. D'accord, merci. Et on n'a plus beaucoup de temps. Ça va bientôt être l'heure de ramener le petit David à Madame Apu. N'oubliez pas, les copains! Oh, comment on va le retrouver? Oh, du chewing-gum! Sally, c'est vraiment pas le moment d'aller s'acheter des bonbons. Et David, alors? Mais non! Tu peux te servir du renifleur pour retrouver le petit David, ou au moins le chewing-gum qu'il a dans la poche. Ah bon, tu crois? Le renifleur s'affole. Le petit David doit pas être loin d'ici. Allons voir ce qu'il a trouvé cette fois. Hein? Le renifleur n'a pas trouvé le petit David. Il nous a juste amené devant le plus gros stock de chewing-gum de toute la ville. Oh non, le renifleur n'a plus de batterie. Oh, oh là là. Non, non, non. On ne va jamais le retrouver. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à Madame Apu? Peut-être que je peux improviser une pile. Il me faudrait une patate, du cuivre et... Sally! J'ai trouvé! Quoi? Si le voleur de pommes de terre a aussi volé les pièces en cuivre de Jessica, c'est parce qu'il essaie de fabriquer une pile! Une pile? Mais il lui manque encore un ingrédient! Le zinc! Et le labo du collège en a tout un stock! Mais qu'est-ce qu'on fait pour le petit David? Le collège est juste à côté! Allez, viens! En route! Regarde! Quelqu'un est entré par effraction dans le labo de science. Il est peut-être resté à l'intérieur. On pourrait le prendre la main dans le sac. Ouh, hein? À l'aide! Venez m'aider, au secours! C'est le petit David. Sally! Oh, Dewey! Oh, venez me sauver! Oh non, il s'enfuit! Bravo! Allez, Dewey! Montre-nous ton visage, voleur. Oh, Tom! J'aurais dû m'en douter. Je vous dirai rien du tout. Vous pourriez me détacher? Peut-être. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Je suis venue au labo chercher un capteur secondaire pour ton renifleur parce qu'il marchait pas bien. Mais en arrivant ici, je l'ai trouvé, lui. Il voulait voler du zinc. Et c'est là qu'il m'a attaché. Tu aurais dû nous dire où tu allais, David. Sans les connaissances scientifiques de Dewey, on ne serait jamais venu ici. Désolée, Dewey. Et merci de m'avoir sauvée. En tout cas, sans aucune preuve, vous pouvez pas m'accuser d'avoir volé les pommes de terre et vous les retrouverez jamais, de toute façon. Moi, je suis sûre que si. Et tout ce que tu as volé, grâce au renifleur de Dewey. Tu crois que tu vas réussir à le faire marcher? Une fois que j'aurai installé ce capteur secondaire, oui. Galette de pommes de terre pour tout le monde. Dis, une pile aux pommes de terre, ça peut vraiment marcher? Oui, bien sûr. Pour commencer, il faut une pomme de terre, un peu de cuivre comme cette pièce. Et maintenant, pour finir, le zinc. Le jus de pomme de terre cause une réaction entre les deux métaux et c'est ce qui va générer de l'électricité. Alors on peut vraiment faire une pile avec une pomme de terre? Eh oui! Et à quoi ça peut servir? Ça produit pas beaucoup d'électricité. Tom avait prévu de les vendre comme chargeurs de lecteurs MP3. On a vu plus pratique, je pense. En attendant, il aurait dû payer les pommes de terre, le cuivre et le zinc comme tout le monde au lieu de les voler. Crois-moi, maintenant il paye le prix fort. Tom, je te confie le petit David, il va te tenir compagnie. Je suis sûr qu'il sera très sage. Amusez-vous bien. Oh, et tu vas continuer de les éplucher comme ça? À ta place, j'utiliserai une meilleure technique. Et je mettrai les épluchures de ce côté pour optimiser le rendement et fluidifier la chaîne de production. Mais faites-le taire! Sally détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Sally détective sans peur, Hollywood c'est son nom.
Merci les enfants pour toute l'énergie que vous mettez à récolter des dons. Dans une heure, la kermesse sera terminée. Allez, il ne nous manque plus que 50 euros pour pouvoir acheter nos abris à oiseaux. Alors donnez, donnez, donnez. Alors, comment tu le trouves? Il est bon, hein? En tout cas, je n'avais jamais rien mangé de pareil. J'en étais sûre. Dire que Madame Apoum croyait incapable de cuisiner. Une part de 4 quarts, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je vais plutôt aller prendre un petit cake. Pourquoi il s'en va? Ah, quelle bande de casse-pieds! Ces danseurs à la noix font fuir nos clients. Comment on fait pour vendre nos petits cakes, nous? Un petit cake, s'il te plaît. Enfin, ils sont bons. Bah, évidemment. Alma, au voleur! Ah, au secours! On nous a volés! SBI, on vient vous aider. Heureusement que vous êtes là. C'est vraiment la cata! Il faut que vous retrouviez l'argent, sinon on ne pourra pas acheter nos super étuis de téléphone portable jaune et bleu. Des étuis de portable? Mais vous ne récoltez pas de dons pour acheter des abris pour les oiseaux comme nous? Mais non, on s'en fiche de ça. On est là pour profiter de la foule et vendre des pâtisseries. Ce serait pas un peu malhonnête, tout ça? Non, pas du tout. D'ailleurs, tout est écrit sur le panneau, noir sur blanc. L'argent récolté servira à acheter des étuis portables à Alma et Jasmine. Waouh, t'es qui, toi? Ah, c'est Tiger. Il est trop mignon, non? Oui. Et il y avait combien dans la cagnotte? Beaucoup. Oh, j'ai besoin du chiffre exact. 50 euros. Et vous les aviez mis où? Dans cette boîte en métal, juste sous le comptoir. Vous avez remarqué quelqu'un à proximité? Il y avait beaucoup de monde autour des danseurs de hip-hop à côté du stand. À mon avis, le voleur était sûrement parmi eux. Mais c'est vrai qu'ils sont super bons, ces cakes. Doui! Il faut bien que j'analyse les indices. Mais ils sont pas gratuits. Sally, j'ai oublié mes sous, tu veux bien? Merci. On n'a pas un seul indice. Non, c'est pas vrai, Doui. On connaît la somme qui a été dérobée. On sait... On sait que... Oh, t'as raison. On n'a rien du tout. Dommage qu'il n'y ait pas de caméra ici. Attends un peu. Mais bien sûr qu'il y en a! Grâce à cette antenne à phase inversée, je peux récupérer toutes les photos prises avec des téléphones portables. Belle journée, n'est-ce pas? Bonjour! Quel temps magnifique! Bon, j'ai programmé ma tablette pour récupérer les photos prises vers l'heure du vol à coucher. Oh. Regardez, ce garçon et cette fille sont juste à côté de la caisse, c'est louche. Ouvrons l'œil, on approche du moment où le vol a été commis. Pourquoi il n'y a plus de photos là? Tout le monde devait être en train de regarder les danseurs. Mais c'est horrible, horrible, horrible! Ne t'inquiète pas, Jasmine, on va attraper le voleur. Mais non, c'est pas ça! Je viens de recevoir un texto du magasin, les étuis portables sont presque épuisés! Ah, mais qu'est-ce que c'est? Gentille petite touffe de poils! Au moins, on a deux suspects maintenant. Regarde! C'est la fille du stand. L'argent doit être dans son panier. SBI, on peut te parler? Hé, hein? Reviens! Sally, j'ai repéré le garçon du stand! Suis-le, Doui, je m'occupe de la fille! T'as intérêt à rendre l'argent tout de suite! L'argent? Mais j'ai pas volé.
d'argent. J'ai seulement pris un petit cake. Je voulais leur secret. C'est l'anniversaire de ma mère la semaine prochaine. Et je voulais lui faire un petit cake aussi bon que ceux de Jasmine et Alma. C'est vrai. Tu peux goûter si tu me crois pas. Je n'ai pas l'habitude de manger les indices, mais je vais faire une exception. Waouh, t'as raison, ils sont vraiment trop trop bons. Maintenant, goûte un des miens. Ça va, je te crois. Mais c'est pas une raison pour voler des cakes. Il faut les payer. Tu peux me prêter des sous? Y a pas écrit banque sur mon front. Si tu veux pas descendre, rends-nous au moins l'argent que tu as volé. L'argent? Mais j'ai pas volé d'argent. Pourquoi tu t'es enfui? Parce que j'ai peur des chiens. Il a peur des chiens. T'en fais pas, Tiger est très gentil comme chien. Il voulait juste jouer. En tout cas, j'ai pas volé d'argent, je vous le jure. On te croit. Est-ce que tu aurais vu quelqu'un près du stand? Non, j'ai vu que ce chien. Et si c'était Tiger, notre voleur? N'importe quoi. Pourquoi est-ce que Tiger aurait mangé l'argent? Regarde, la cagnotte était rangée sur cette étagère. Les petits cakes étaient posés juste à côté. Il a très bien pu manger l'argent par erreur. Si c'est le cas, c'est pas moi qui irai le récupérer. Il y a un moyen plus simple. Ce sont mes lunettes laser XR 3000. Grâce à leur rayon X intégré, je peux voir le contenu de l'estomac de Tiger. Alors? On dirait qu'il a mangé un os pour le déjeuner et une chaussette au dessert. Oh, mais pas de traces de votre argent. Oh, retour à la case départ. Sérieusement, vous êtes trop nuls. Tu trouves pas, Alma? Mon père dit toujours qu'il faut chercher des indices là où on s'attend le moins à en trouver. On est passé à côté de quelque chose. Bonne nouvelle, Sally et Dewey. Nous avons atteint notre objectif de collecte. Génial! Vous avez trouvé les 50 euros qui manquaient? Eh oui, un généreux donateur anonyme nous a fait cadeau de toute cette somme. C'est magnifique, non? Est-ce qu'il l'aurait donné en petite monnaie par hasard? Oui, c'est ça. Mais comment es-tu au courant? J'ai trouvé l'enveloppe ici, là-dessous. On dirait bien que notre voleur est parmi nous. Je n'y comprends rien. 50 euros ont été volés ce matin sur un stand. Ça doit être cela. Celui qui a volé l'argent ne l'a pas fait pour lui, mais pour acheter les maisons pour oiseaux. Je ne peux pas accepter de l'argent volé. Non, mais vous pourriez nous aider à attraper le voleur. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour son aide à la collecte de fonds d'aujourd'hui. Malheureusement, il nous manque encore 50 euros. L'achat des abris pour oiseaux devra donc attendre l'année prochaine. Première phase du plan terminée. Si le voleur aime les oiseaux, il va forcément se demander pourquoi Madame Nesbit n'a pas trouvé l'argent. Chut! J'entends quelqu'un qui approche. FBI! On ne bouge plus! Il va droit vers l'entrée du parc! Alma? Mais pourquoi t'as volé ton propre argent? Je trouvais ça égoïste d'acheter des études portables alors que Madame Nesbit avait besoin d'argent pour les oiseaux. Alors, pendant que Jasmine regardait les danseurs de hip-hop, j'ai vidé la caisse. Et après, pendant qu'elle regardait les photos avec vous, j'ai déposé l'enveloppe pour Madame Nesbit. Bien joué, le FBI. Alma, on va pouvoir s'offrir nos étuis, finalement. En parlant de ça... Et le voleur? J'espère qu'il aura des ennuis et j'aurai deux mots à lui dire. Jasmine, en fait, il faut que je te dise quelque chose. C'est moi la voleuse. J'avais envie de donner l'argent à la collecte pour les oiseaux. Quoi? C'était toi? Mais pourquoi? Parce que je trouve que des abris pour les oiseaux, c'est plus important que des étuis pour téléphone portable. Mais
Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit plus tôt? Et je te l'aurais dit quand? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, tu me laisses pas finir mes phrases. Mais non, c'est pas vrai. Bon, c'est vrai que je parle beaucoup. Mais je suis désolée. Vous avez récolté assez d'argent finalement. Je comprends pas. Moi j'ai acheté des petits cakes. En revanche, personne n'a voulu de mon 4 quarts. Sally, il faut que je te dise, ton gâteau, il est vraiment pas bon. Quoi? Ah. Ouais, t'as raison, c'est immangeable. Tu me laisseras cuisiner la prochaine fois.